Donner un point de vue est très important. Donner votre point de vue, c'est ce qui compte. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission Point de vue, pendant laquelle nous débattons les questions politiques, économiques, sociales, mais aussi religieuses avec une invitée. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Florence Marshall. Bonjour Florence et bienvenue. Bonjour. Florence Marshall est la porte-parole de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Avec elle, nous allons débattre la question sur la suppression des postes au sein de la mission onusienne, mais aussi du licenciement du personnel congolais. Nous allons également aborder les questions sécuritaires et sanitaires au sein de la MONUSCO. Avant d'entamer le vif de notre sujet, le mandat de la MONUSCO a été renouvelé. Quel a été l'assentiment du personnel tout entier ? Le mandat a effectivement été renouvelé par le Conseil de sécurité en mars de l'année dernière. Il a été renouvelé pour 9 mois jusqu'au mois de décembre. Et on sait déjà qu'en décembre, on aura un nouveau mandat sur la base des recommandations d'une revue stratégique qui est en train d'être réalisée ici, au moment même où nous parlons en République démocratique du Congo. Donc évidemment, nous sommes. Le sentiment du personnel est toujours un petit peu mitigé, parce que tant qu'il y a une mission, ça signifie qu'il y a encore des menaces pour la paix et pour la sécurité dans le pays. Et évidemment, tous nous aspirons à ce que ce pays tourne définitivement la page du conflit. Et quand cela sera chose faite, la mission, comme toutes les missions de maintien de la paix dans le monde jusqu'à présent, depuis la première à la fin des années 40, la mission partira. Florence, nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet. Il y a cette question de suppression des postes au sein de la MONUSCO. Nous l'avons tous appris à travers les médias. Il y a eu même des marches des compatriotes qui travaillent à la MONUSCO. Mais pourquoi cette suppression d'un grand nombre de postes et combien de postes qui vont être supprimés? Et pourquoi d'abord cela? Alors, depuis le 1er juillet, en effet, il y a 764 postes qui ont été supprimés, dont un peu plus de 500 qui étaient occupés par des personnels congolais. Évidemment, ces suppressions de postes, ce n'est pas de gaieté de cœur que la mission procède à ces suppressions de postes. Je précise qu'il s'agit bien de suppressions de postes, qu'il ne s'agit pas de licenciement ou de renvoi. On ne renvoie personne, mais on supprime des postes parce que le budget qui nous est alloué est en réduction permanente. Et ce qui signifie que nous n'avons plus les moyens d'avoir la masse salariale que nous avions jusqu'à présent. Les années budgétaires pour les opérations de maintien de la paix commencent du 1er juillet, comme 1er juillet de chaque année, jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Et c'est la raison pour laquelle ces suppressions de postes sont intervenues là il y a quelques jours. Avec le début d'une année budgétaire où on voit notre budget connaître une forte baisse, une forte réduction. Il n'est pas le seul. Tous les budgets des opérations de maintien de la paix dans le monde connaissent une réduction. C'est la volonté des États membres de l'Organisation des Nations Unies. Plus précisément, c'est la 5e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies qui est en charge de toutes les questions administratives et budgétaires, qui vient d'approuver juste à la fin du mois le budget pour toutes les opérations de maintien de la paix. Et le budget a confirmé la baisse que nous avions anticipée. Non seulement il l'a confirmée, mais il l'a accentuée. Donc le budget a déjà été confirmé, le budget a été déjà revu. Vous confirmez? Oui, le budget a été revu puisqu'il commence, on commence à travailler avec le nouveau budget au 1er juillet. Et nous avions sur la base des indications qui nous avaient été données par les États membres et par le secrétariat à New York, nous avions donc anticipé cette réduction budgétaire et elle va au-delà cette réduction de ce que nous avions anticipé. Donc il y aura encore, nous aurons encore moins d'argent que ce que nous avions espéré pour mettre en œuvre nos activités sur le cycle 2019-2020. Donc, chers téléspectateurs, comme vous avez compris avec moi, il ne s'agit pas des licenciements au sein de la MONUSCO, mais plutôt des suppressions des postes. Alors, Florence, nous revenons à vous. Comment avez-vous préparé ces personnels concernés à la fin de cette collaboration? Comment les avez-vous préparés? Sont-ils préparés? Ou bien ça sera une surprise? Ou bien ils apprennent seulement comme ça?
Non, non, c'est un processus qui est en train de se terminer, puisque là, les derniers collègues sont en train de nous quitter. Ce processus a fait l'objet d'un dialogue permanent entre les personnels par l'intermédiaire de leurs représentants syndicaux, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Un dialogue avec le service des ressources humaines, un dialogue aussi avec la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Zerouilly, qui est montée en première ligne, qui s'est impliquée, qui a parlé avec les personnels, qui s'est assurée que la dignité des personnes serait respectée pendant tout ce processus, qu'une fois encore, nous savons douloureux. Donc les personnes ont été informées, il y a eu plusieurs étapes, et les personnes ont été informées tout au long du processus de façon précise. Il y a eu la possibilité pour elles de poser des questions, il y a eu des réunions collectives, des entretiens individualisés, etc. Ce qui comptait aussi pour nous, c'était de préparer ces personnels à la poursuite de leur vie professionnelle, ici ou ailleurs, donc en leur facilitant l'accès à des formations sur la rédaction d'un CV, la rédaction d'une lettre de motivation, comment bien mener un entretien, et puis aussi pour les personnels nationaux qui représentent une vraie force vive ici pour la RDC, qui pendant toutes ces années au sein de la MONUSCO ont pu acquérir des compétences bien précises. Donc tout ce personnel-là aussi, il y a eu on a approché les ambassades, les autres agences fonds et programmes des Nations Unies qui elles vont rester plus longtemps que la mission, les autorités du pays pour voir dans quelle mesure on pouvait replacer ces personnes. Donc il y a avec une espèce de bourse à l'emploi, à chaque fois qu'il y a des offres d'emploi qui peuvent intéresser nos collègues, elles sont diffusées à grande échelle afin de permettre à tous de pouvoir poser sa candidature. Alors, comment ont-ils accueilli d'abord cette nouvelle et la proposition de comment les réinsérer dans la société pour qu'ils poursuivent leur vie? Comment ont-ils apprécié cela? C'est difficile pour moi de parler à leur place. Évidemment, le fait de perdre un emploi est quelque chose et un événement qui représente beaucoup de stress dans une vie. Parce que la perte d'un emploi, c'est la perte d'une famille, c'est la perte de revenus qui font vivre justement toute une famille, voire deux familles, voire trois familles. Donc tout ça, évidemment, c'est très préoccupant. Après, ce que moi, en tant que porte-parole de la mission, je peux dire, c'est que tout personnel qui commence à travailler pour une mission de maintien de la paix sait que c'est par nature, une opération de maintien de la paix, c'est quelque chose d'éphémère. Une fois encore, je l'ai dit dans l'entame de cette interview, une opération de maintien de la paix est déployée à l'initiative du Conseil de sécurité lorsque le Conseil de sécurité estime que dans un pays X, Y ou Z, il y a des menaces pour la paix et la sécurité dans le monde. C'est la raison pour laquelle une mission a été déployée ici il y a maintenant plusieurs dizaines d'années. Mais la logique des choses est qu'on arrive à des succès, que la situation redevienne normale. On a vu le cas au Libéria, on a vu le cas en Côte d'Ivoire récemment. On est en train de vivre ça en Haïti et donc de fermer les missions. Donc tous, y compris moi-même, je suis sensibilisée au fait que voilà, c'est pas un job à vie. Mais c'est une expérience à prendre, c'est l'occasion de travailler au service d'un idéal pour la plupart d'entre nous avec le respect des valeurs des Nations Unies et pour travailler pour un monde meilleur pour tout le monde. Travailler à la MONUSCO n'est pas un job à vie, mais
quand il s'agit de suppression des forces, il faut le faire avec les valeurs des Nations Unies. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre l'émission Point de vue. Nous avons reçu pour vous Florence Marchal, avec qui nous parlons de la suppression des nombreux postes au sein de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Alors Florence, nombreux de ces agents qui ont travaillé avec vous déplorent le fait de ne pas avoir signé les contrats en bonne et due forme. Comment expliquez-vous cela? Je ne peux pas entrer dans l'analyse des cas particuliers, mais cela m'étonne parce que nous sommes une grande organisation avec des règles très précises qui ne sont pas édictées ici à Kinshasa, mais qui nous viennent du siège à New York. Donc je pense que tout le monde a eu le contrat qui correspondait à sa position et à sa fonction ces dernières années. Bon, c'était justement dans cette perspective que certains agents même avaient déploré du fait qu'ils travaillaient pendant 3 mois et on leur dit « bon, c'est fini ». Après, ils reviennent encore, on les rappelle pour revenir. Tous ces exercices-là ont été déplorés par tous ces agents qui seront, disons, entre griffes, qui vont manquer leur poste au sein de la mission. Je pense qu'une fois encore, ce sont, au moment où ils signent les contrats, ils sont tout à fait conscients de cela. Après, effectivement, je suis moi-même consciente que c'est une réalité qui est dure à accepter. Et c'est vrai qu'on a différents types de contrats selon les circonstances et selon les fonctions occupées. Mais personne ne signe un contrat sans être en connaissance de cause et sans avoir une pleine connaissance de tous les tenants et les aboutissants du contrat. Après, effectivement, la réalité est qu'on n'a pas envie de voir les choses parce que la réalité économique est différente, parce que c'est de ça dont il s'agit. Perdre son emploi, c'est perdre une source de revenus. Mais les contrats sont très clairs et les personnes qui signent les contrats savent exactement ce qui les attend. Et Florence, apparemment, j'appelle cela paradoxe au sein de la mission onusienne, ici en RDC. Et d'une part, on annonce déjà la suppression des postes. D'autre part, on voit le secrétaire général en train de nommer. Je peux comprendre pour David Grossley, en charge d'Ebola, il a été au Congo il y a déjà plusieurs années, mais David McLean, le représentant spécial adjoint par intérim, et récemment François Grignon pour la protection et les opérations. Mais là, le problème des budgets n'intervient pas. Mais une mission, pour fonctionner, il faut qu'elle ait une structure. Et il faut qu'elle ait un représentant spécial, il faut que le représentant spécial ait des adjoints. Et donc jusqu'au bout, enfin, dans n'importe quelle structure, qu'il y ait 10, 20 ou 2 ou 20 000 employés, il faut avoir des dirigeants. Donc les personnes auxquelles vous venez de faire allusion sont tous des dirigeants de la mission. Donc pour l'instant, la mission, il faut qu'elle continue de diriger. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont là. On ne peut pas imaginer d'avoir une mission sans avoir de dirigeants. Oui Florence, quand nous regardons cette situation, on se demande, c'est à vous, vous allez préciser, si sont seulement des Congolais ou aussi les agents étrangers, parce que normalement, un personnel étranger coûte par rapport à un personnel local, en termes d'abord des documents, d'installation, tout ce que vous connaissez, cas des résidences, les déplacements, mais un personnel local coûte moins qu'un personnel étranger. Alors pourquoi ne pas rendre local les postes des étrangers et que les locaux le remplacent et aussi faire partir certains personnels étrangers? Il y a déjà plus de 66% du staff de la MONUSCO qui est du staff national. Donc la grande majorité du staff est du staff national. C'est le principe même des opérations de maintien de la paix, une combinaison d'expertise et de compétences nationales et internationales avec l'idée de renforcer les capacités et les compétences nationales.
Nous avons effectivement des lignes directrices de la part du siège pour essayer de nationaliser des postes, et c'est ce que nous allons faire. Là, cette année, certains postes qui ont été supprimés pour des internationaux vont être repris par des nationaux. Donc ce sont évidemment des pratiques ici comme ailleurs. Mais une opération de maintien de la paix, c'est la combinaison d'expertise et d'expérience entre des staffs nationaux et des staffs internationaux. Chers téléspectateurs, comme annoncé, vous êtes en train de suivre l'émission Point de vue sur BCTV. Nous avons reçu pour vous Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO en RDC. Et avec lui, nous parlons de la suppression des postes au sein de cette mission onusienne. Maintenant, nous abordons la question sécuritaire parce que la MONUSCO s'occupe d'abord de la sécurité. Alors, depuis un certain temps, Florence, l'organisation État islamique revendique les attaques à l'est du pays, mais cela fait longtemps que les gouvernements sortants, les régimes sortants, voudrais-je dire, parlaient des terroristes à l'est de la RDC, mais la MONUSCO restait réticente pour dire qu'elle n'avait pas encore des informations suffisantes. Et aujourd'hui, quelle est la position de la MONUSCO par rapport à tout ce qui se passe avec toutes ces revendications ? Oui, vous l'avez dit, nous observons, comme vous, nous suivons de près ce qui se passe, ces revendications qu'on peut trouver sur les médias officiels du mouvement de l'État islamique. Nous étudions tout cela de près, nous prenons cela très au sérieux. Et surtout, ce que nous constatons, c'est que les ADF continuent à représenter une menace pour les populations qui vivent dans la région de Béni. C'est surtout ça que nous constatons. Donc, ce n'est qu'un constat jusque-là. Vous n'avez pas une position claire pour confirmer que ce sont des ADF ? Parce qu'ils ont des agences ? Je suis en train de vous expliquer que que nous voyons sur le terrain, c'est que les ADF continuent de mener des actions contre les populations civiles. Ça, c'est une certitude. À savoir si les ADF sont affiliés à tel ou tel groupe, nous n'avons pas encore les informations pour pouvoir l'affirmer ou l'infirmer. Aujourd'hui, il y a cette reprise des hostilités au niveau de la province de l'Ituri, où la MONUSCO n'était pas, si nous pouvons le dire, trop impliquée. Maintenant que la mission, le mandat a été renouvelé, que comptez-vous faire au niveau de l'Ituri ? Que planifie la mission pour sécuriser tant soit peu la population de l'Ituri ? Alors déjà, je voudrais rectifier un malentendu. La mission est très présente en Ituri. Nous avons un bureau à Bounia et avant que ne reprennent les violences de ces dernières semaines, notamment dans le territoire de Djougou et aussi à Mahagui, la mission travaillait d'arrache-pied avec le gouvernement congolais sur le dossier des FRPI. Et nous étions sur le point d'aboutir à un accord avec les FRPI pour qu'ils déposent les armes. Et c'était pour nous une véritable opportunité et un signe d'apaisement dans cette province. Donc, il y a quelques semaines, comme cela était arrivé déjà l'année dernière, des violences ont repris, donc une fois encore, comme je l'ai dit, dans le territoire de Djougou et aussi à Mahagui. Et la MONUSCO a continué de faire ce qu'elle fait depuis des années dans cette province, ce qu'elle avait déjà fait l'année dernière, c'est que non seulement d'apporter une réponse au niveau sécuritaire en déployant de façon temporaire des troupes dans les endroits où les populations sont menacées, pour protéger les populations civiles, mais aussi d'un point de vue civil, en organisant et en facilitant des rencontres entre toutes les communautés, des actions de médiation et évidemment tout cela en soutien des autorités provinciales. Florence, il y a aussi cette question sur toujours le déploiement des forces de la MONUSCO
Le chef de l'État, lors de sa dernière interview accordée à France 24 et RFI le 30 juin à Lubumbashi, avait dit que le pays avait encore besoin de la mission onusienne suite à l'insécurité qui sévit à l'est du pays. Comment avez-vous accueilli cela, sachant qu'on vous taxe d'avoir des résultats mitigés pendant tout ce temps que vous avez passé au Congo? Alors, la déclaration du chef de l'État entre dans la logique de nos relations avec la nouvelle équipe à la tête du pays depuis son entrée au pouvoir. La représentante spéciale du secrétaire général a eu de nombreux entretiens déjà avec le président et son équipe. Et tout le monde est sur la même ligne par rapport à justement la volonté de sortir de ce cycle de violence et de crise dans l'est du pays pour que le pays puisse enfin regarder, aller de l'avant, regarder son avenir et son développement. Quant au bilan mitigé, il y a eu beaucoup d'acquis. C'est devenu un petit peu un lieu commun de dire la MONUSCO n'a pas eu de résultat, mais est-ce qu'on peut imaginer le nombre de personnes que l'on sauve chaque jour en étant présent là où nous sommes présents? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous rappelle qu'il y a quelques années, la MONUSCO a soutenu les forces de sécurité congolaises pour mettre fin au phénomène des M23 dans l'est du pays. Je me souviens que l'année dernière, la ville d'Uvira qui était sur le point de tomber sous la menace d'un groupe Maïmaï, a été sauvée in extremis grâce à une intervention de la MONUSCO. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a le soutien qu'on apporte actuellement pour la réponse Ebola. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais après, je comprends que ça fait longtemps que la mission est là et qu'il peut avoir une certaine lassitude de la part des Congolais. Mais en tout cas, nous restons déterminés à poursuivre notre travail et puis aussi à défendre notre bilan. Parce qu'on a un vrai bilan. Et une fois encore, nous, ce que l'on le souhaite, c'est que tout ça s'arrête au plus vite et que le pays n'ait plus besoin de nous. Alors je sais, vous allez me dire, bah oui, il va y avoir des suppressions de postes, etc. Mais c'est la nature même et c'est ça qui est important, c'est que ce pays qui a tellement de potentiel, tellement de richesses, puisse prendre son envol et avoir une place de premier plan en Afrique. C'est ça, on est tous là pour ça. Oui Florence, qu'en est-il du fameux brigade d'intervention rapide de la MONUSCO qui était apprécié de tous? Êtes-vous découragé par les décès de certains militaires, notamment tanzaniens? Qu'en est-il? C'est sûr que ça a fait un choc et que c'est sûr que le fait d'être que des casques bleus soient la cible directe de groupes armés, c'était quelque chose de nouveau dans le modus opératoire, dans le mode opératoire des groupes armés. Donc c'est un choc, il faut remotiver les troupes, il faut s'interroger aussi sur les raisons qui ont mené à ça. Il y a eu toute une réflexion qui a été menée, non seulement au niveau de la MONUSCO, mais au niveau de toutes les opérations de maintien de la paix dans le monde. Comment avoir des forces plus efficaces et aussi plus agile et capable de s'adapter à ces nouveaux environnements qui sont, on est dans des guerres asymétriques, on n'est plus dans une guerre d'un groupe contre un autre groupe, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et en plus, dans l'est du pays, on est dans la jungle, on est dans la montagne, bon, tout un tas de facteurs qui ne facilitent pas les choses. Donc oui, il y a eu des découragements, il y a eu des leçons apprises, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis, au niveau de l'équipement des troupes, au niveau de la formation, etc. Donc oui, la brigade est toujours, il y a toujours à peu près 3000 hommes qui sont déployés dans la région de Beni, avec pour mission principale
la neutralisation des ADF. Alors, entrons dans Ebola. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre Point de vue sur BC TV. Nous avons reçu pour vous la porte-parole de la MONUSCO, Florence Marchal, avec qui nous sommes en train de parler de la suppression des postes au sein de la MONUSCO, mais aussi les questions sécuritaires au sein de la MONUSCO. David Gressley a été nommé récemment représentant du secrétaire général en charge d'Ebola en RDC. Que compte faire la MONUSCO que les ONG, le gouvernement congolais n'a pas encore fait? Alors, effectivement, le secrétaire général de l'ONU, au mois de mai, a décidé de renforcer la coordination de l'ONU pour le soutien qu'on apporte à Ebola. Ce sont les autorités congolaises qui sont à la manœuvre, j'ai envie de dire, qui ont en charge la réponse, notamment le ministère de la Santé. À l'ONU, il y a eu la volonté donc de mieux organiser, de mieux coordonner l'ensemble des parties prenantes de l'ONU, c'est-à-dire qu'il y a la MONUSCO, on en a parlé, l'Organisation mondiale de la santé, il y a l'OIM, il y a l'UNICEF, etc. On le sait, l'environnement, le contexte de Beni Boutembo est un contexte particulier et c'est avec beaucoup de réticence de la part des communautés par rapport à l'acceptation des soins et des traitements. Donc les recettes qui avaient pu fonctionner en Équateur l'année dernière ne fonctionnent pas forcément dans le Nord Kivu et il a fallu donc réfléchir et s'adapter et voilà. Et c'est la raison pour laquelle le secrétaire général a nommé Monsieur Gressley, donc qui était le représentant spécial adjoint de la MONUSCO en charge des opérations et de la protection. Il a décidé de le nommer temporairement coordonnateur de l'ONU pour la réponse d'urgence à Ebola, en sachant que la réponse dans notre architecture, Monsieur Gressley donc travaille avec le docteur Socéphale, qui est en charge des opérations de l'Organisation mondiale de la santé, donc ils sont tous les deux sur le terrain. Et à Kinshasa, il y a la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Zerougui, qui elle agit au niveau des politiques. Donc ça c'est pour la réorganisation pour plus d'efficacité et pour arriver à trouver ensemble avec les autorités la bonne solution et le moyen d'arriver à fédérer autour de la réponse et de faire en sorte que les équipes humanitaires ou sanitaires qui sont sur le terrain ne se fassent plus attaquer, que les personnes acceptent d'être traitées, etc. Donc il y a beaucoup de facteurs politiques, économiques, etc. etc. La MONUSCO, dès le début de cette crise, et aussi quand il y a eu la crise quelques mois plus tôt l'année dernière dans l'Équateur, la MONUSCO est toujours intervenue pour apporter un soutien à la réponse. Nous, ce n'est pas notre métier de faire de la santé, et en plus, ce n'est pas dans notre mandat. En revanche, ce qui est dans notre mandat, c'est de protéger les populations civiles. Donc, Ebola, c'est une menace pour elles. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que tout ce qu'on a, toute notre valeur ajoutée, c'est-à-dire notre force logistique, on l'a mise au service de la réponse Ebola. Que ce soit l'année dernière à Bandaka ou cette année à Beni Boutembo, on a établi des ponts aériens, on a mis des voitures à disposition, on a construit des cliniques, on a construit des centres de santé, des centres de coordination, on a amené de l'eau, on a amené de l'électricité, on a amené des connexions Internet. Voilà, tout ce qu'on sait faire pour que les autres, ceux dont c'est le cœur de métier d'apporter la réponse, puissent travailler dans de bonnes conditions. Et ça, on continue à le faire. Et évidemment, avec une dimension encore supplémentaire, quand on parle de la région de Beni et de Boutembo, c'est d'apporter de la sécurité aux équipes en charge de la réponse. C'est-à-dire qu'à la demande, la MONUSCO fournit des escortes militaires ou policières aux équipes qui sont chargées de la réponse. Et on sécurise également les centres de traitement avec des gardes statiques, etc.
Nous acheminons petit à petit vers la fin de notre émission. Juste une petite question de curiosité, Florence, qui sera votre dernière aussi. Que deviendra la radio Okapi ? Parce que nous sommes des médias et les confrères aussi. Alors, la radio Okapi fait partie du patrimoine de la MONUSCO, du patrimoine des Nations Unies, mais surtout du patrimoine de la RDC. Donc, il est bien évident que dans l'esprit de tous, ce patrimoine-là, il faut qu'il reste et il faudra le faire fructifier. Les contours exacts de ce de Radio Okapi dans 1, 2, 5 ou 10 ans, aujourd'hui, on ne les connaît pas. Mais le postulat de départ, c'est un patrimoine commun aux Nations Unies, à la population congolaise, et que ce patrimoine-là, évidemment, c'est un patrimoine vivant et qu'il doit continuer à vivre. Merci beaucoup Florence Marchal. Merci à vous chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Point de vue. Nous avons reçu pour vous Florence Marchal, avec qui nous avons parlé des questions sur la suppression des postes au sein de la MONUSCO. Il ne s'agit pas du licenciement, comme cela se faisait entendre, mais elle a apporté des précisions. Il s'agit bien sûr des suppressions de plusieurs postes au sein de cette mission onusienne. Elle a été très claire, elle a évoqué aussi les questions sécuritaires, certaines questions sur la santé, notamment avec Ebola. Et nous avons penché aussi sur les médias de la MONUSCO et vous avez entendu ce qu'elle a dit. Une fois encore, merci Florence Marchal d'avoir éclairci la lanterne de nos auditeurs, de nos téléspectateurs qui se demandaient sur cette question. Nous disons également merci à toute l'équipe qui a été derrière les caméras, mais aussi pour la réalisation et les montages. Il s'agit du directeur technique Patrick Komba, il s'agit de Blanchard Zola, il s'agit aussi des généraux et Sengo. Nous disons également merci à toute l'équipe, tous les journalistes de BC, mais aussi au directeur général, M. Yvon Ramazani et Mama Rose, son épouse. Nous vous disons aussi merci à vos chers téléspectateurs et au prochain numéro.